qu'on va manger demain, c'est une question importante, c'est une question qu'on peut aborder sous plein d'angles différents, en fait. Elle interroge à la fois les sciences de l'aliment, la sociologie, les neurosciences, le marketing, les sciences du consommateur. Le message qu'on veut faire passer, c'est que, en effet, il va de toute façon y avoir des mutations dans le régime alimentaire. L'origine, c'est quand même d'être capable d'alimenter tous les individus sur la planète, et que pour ça, on est obligé de faire des mutations, notamment au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on doit faire des mutations sur les sources de protéines. Il faut que l'agriculture et les filières alimentaires soient capables de le faire, mais dans un sens qui correspond à quelque chose d'acceptable par les populations. Sauf qu'évidemment, par exemple, il est clair que les individus dans l'avenir ne pourront pas consommer 100 grammes de protéines d'origine animale par jour. L'exercice qu'on a fait pour préparer la BD numérique, c'était d'aller interroger tous les scientifiques qui pouvaient être concernés par cette question-là, de leur demander de faire un petit travail collectif de synthèse, à la fois des questions qui se posent et puis des connaissances qu'on a aujourd'hui sur ces thématiques-là. Alors, le processus d'écriture, tout part déjà d'une documentation, et puis une discussion sur aussi les grandes orientations, les grands messages qui devaient soit être très directement abordés, et aussi des messages qui devaient infuser un petit peu tout au long de la BD. Et après, il y a tout ce qui relève de la psychologie des personnages eux-mêmes. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a finalement le plus travaillé, où il y a eu le plus de retours. À part les données scientifiques elles-mêmes, c'était aussi, il faut que l'évolution des quatre personnages soit crédible. Il faut qu'ils évoluent vraiment, comme on évolue vraiment au cours d'une vie. Et en même temps, il faut qu'on les reconnaisse tout le temps. Donc, c'est une BD qui comportera 30 épisodes. Un épisode sortira chaque jour, pendant un mois. Donc, comme on s'adresse aux consommateurs, on a voulu vraiment que les personnes se projettent par l'histoire. Donc, en fait, on suit quatre personnages qui ont 25 ans au début de l'histoire. Comme disait Aurélie, il y a 30 épisodes. Et en fait, chaque épisode, c'est une nouvelle année passée pour eux. Donc, on va les suivre sur 30 ans de leur vie. C'est un peu une avance rapide où on va suivre comment vont évoluer leurs comportements alimentaires, leurs péripéties personnelles également, et aussi comment la société va évoluer en fait sur ces 30 ans, donc jusqu'en 2050. Donc à partir du scénario de Benjamin et avec Manon et Aurélie, on a essayé de mettre en scène ces personnages, de mettre en scène leurs relations, vraiment, c'est-à-dire au-delà du dialogue. Il y a eu plusieurs choses à faire. Déjà, il fallait rendre des personnages bien typiques, c'est-à-dire, et non pas caricaturaux. Il fallait qu'ils soient vraiment, qu'ils aient un caractère, qu'ils aient une manière de s'habiller, une manière de vivre, une manière de bouger. Donc un cadre de vie aussi. Et c'est un peu tout ça qu'on a essayé de mettre en place dans le storyboard. Avec Mahmoud, on lui a confié la charge de mettre vraiment ça en art et en graphisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on a schématisé dans le storyboard, il va le rendre clair, artistique, sympa, vivant. Mon travail, ça a d'abord été de reprendre en fait les recherches pour les mettre en image, réussir à trouver en fait des formes à chaque personnage. L'enjeu surtout, c'est de réussir à mettre en image en fait un futur encore inexistant, mettre en image les notions qu'ils abordent. La difficulté, ce sera peut-être au niveau des costumes, au niveau des différentes manières futures de manger ou de représenter la nourriture. Donc on a choisi le réseau social Instagram parce que c'est un réseau social qui est beaucoup utilisé par notre cible des jeunes adultes. Donc l'idée c'était vraiment d'aller là où cette population se trouve en fait. Ils consultent déjà Instagram, donc ça va être dans leur fil d'actualité et du coup ils tombent sur la BD Manger vers le futur. Ce qui est bien avec Instagram, c'est que l'interface permet de la remanier un peu comme on veut. Elle est très sobre, ce qui fait que elle met vraiment en avant en fait les images qu'on met. Le plus par rapport à la BD papier, c'est qu'on peut aussi y ajouter des images animées. Notre but, c'est d'éveiller les consciences. On ne veut pas forcément aller jusqu'au changement de comportement alimentaire, mais en tout cas qu'ils se posent des questions sur leur alimentation. Et c'est ça qu'on va essayer un peu d'explorer et de sensibiliser le consommateur à ces grands événements. Tu peux le voir sur Instagram et après, tu as même un site où tu as des petits articles pour t'expliquer un peu scientifiquement. Après, tu as des petits tests, par exemple. Là, il y a un test qui vient de sortir. Tu manges de la viande rouge, jamais, occasionnellement.